السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في درس جديد ضمن سلسلة تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا في هذا الدرس سنتعرف كذلك على صوت جديد. إذا نلاحظ أولا الصورة. Mon chien est blessé, je le soigne bien. Mon chien a couru dans la montagne. Il saigne. J'ai baigné sa patte dans de l'eau claire. Ni, ni, nia, nion, nio, niar. Je reprends la lecture de la phrase. Mon chien est blessé. Je le soigne bien. إذن نقرأ هذه الكلمات. La vigne, la ligne, la montagne, un peigne. Une signature, une baignade. Elle a été soignée. René s'est baigné. Un enfant mignon, un champignon, un oignon. Un petit agneau tout nouveau, tout beau. Un montagnard, un compagnard. الآن سنقرأ هذه الجمل. Pendant les vacances, Henri est allé à la montagne. En été, Julien se baigne tous les jours dans la mer. Dimanche, Rémi et René iront à la campagne. L'agneau est blessé à la patte. Il faut vite le soigner. La cigogne est revenue. Son retour annonce le printemps. René a couru avec Michel. Michel a gagné et il est content. Mina a un peigne. Elle a voulu peigner bébé. Bébé pleure. La vigne, une montagne. La cigogne, un agneau. الآن مع المعجم أو الكلمات المصورة. Un beignet, un oignon, la ligne jaune, un agneau, une cigogne. نقرأ الآن هذه الجمل. Mina a un peigne tout neuf. Il y a un signal. Passage interdit. René se promène dans les vignes de son oncle. René va chez son oncle. Le train, le lac, la maison, ramassée seule. نقرأ هذه الفقرات. L'an passé, pendant les vacances, René a pris le train tout seul. Il est allé voir son oncle. L'oncle de René habite dans une petite ville. Il y a des fleurs sur les fenêtres.
Les cigognes font leur nid sur les toits. Fakratalita. René s'est promené dans la campagne. Il a ramassé des gros champignons. Il a mangé du raisin dans les vignes. Il a vu la ligne bleue de la montagne et un lac entouré de sapins. الآن مع الكلمات المصورة والكلمات البصرية. Un, une, le, la, des, dans, donc. Une araignée, des champignons, une cigogne, un peigne, un oignon, la ligne jaune, un agneau, un beignet. إذا كانت هذه آخر فقرة، شكرا لكم وإلى الدرس القادم.